И сейчас я вам представляю Филиппа, нашего лектора. Филипп Фулькье – это преподаватель бизнес-школы EDEC в Париже, лектор, финансовый аналитик, очень много путешествует, очень интересный человек. И надеюсь, что вам понравится, сейчас он о себе немножко скажет. Филиппа, là on vient de te présenter, et s'il te plaît, on va te voir. Voilà. Philippe. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir un grand honneur de vous faire cette dictée. Voilà, merci beaucoup et on commence. Je me présente. Guillaume, je suis ange gardien. J'ai eu 595 âmes sous ma surveillance. Je fis une belle carrière. Après la mort, je fis une grande queue pour me présenter devant le comité. Cela fait il y a un peu plus de 20 siècles. On a l'habitude de penser qu'il n'existe que le paradis et l'enfer. Mais on se trompe. Il n'y a que le paradis et la terre. Pas de purgatoire. Ma vie ne fut pas un exemple de tout reproche et vice, mais à l'époque, l'au-delà était en pénurie. Presque tous ceux qui venaient furent renvoyés sur la terre pour rédemption. Donc, il n'y eut personne pour être ange gardien. Par conséquent, il a fallu urgemment quelqu'un pour coacher les âmes pour qu'elles passent au niveau supérieur. Bien que pendant ma dernière vie, j'ai trahi, j'ai menti. Je ne tuais personne et je fus heureux. La décision du comité fut rapide. Je fus embauché. Le baptême, malheureusement peu solennel, se déroula impétueusement. Les deux ultimes questions pour entrer au paradis sont: qu'avez-vous fait de vos talents? Et avez-vous eu une vie heureuse? Moi, j'ai une vie éblouissante. Je fus le meilleur orfèvre joaillier de mon temps. Mes œuvres furent splendides et puisque je cherchais la perfection sans la moindre concession à la médiocrité, même des dirigeants de pays en voulurent. Ainsi, je voyageais dans tous les coins et recoins. Je ne voulus pas être comme les autres autour de moi, qui naquirent, pleurèrent, mangèrent, bougèrent, dormirent, parlèrent, vinrent, partirent et moururent. Chacun se crut unique, insigne, mais au fond, tous essayèrent seulement de réduire l'inconfort. Moi, je me cherchais, je construisis mon bonheur, j'y réussis. Guillaume, d'ores et déjà, votre ange gardien, et je serai à vos côtés pour vous aider à vivre heureux et profiter de vos talents. Merci. Et là, vous allez entendre deux fois chaque ligne. Сейчас вы слышите каждую маленькую линию, строчку два раза. On commence. Je me présente. Deux points. Je me présente. Deux points. Guillaume, virgule. Guillaume, virgule. Point. Je suis ange gardien. Point. À la ligne. J'eus 595 âmes. J'eus 595 âmes sous ma surveillance. Sous ma surveillance, virgule. Je fis une belle carrière. Point. Je fis une belle carrière.
à la ligne. Après la mort, je fis une grande queue pour me présenter devant le comité, virgule, devant le comité, virgule. Cela fut il y a un peu plus que 20 siècles. Point. Il y a un peu plus que 20 siècles. Point. À la ligne. On a l'habitude de penser, deux points. On a l'habitude de penser, deux points. Qu'il n'existe que le paradis et l'enfer, virgule. Qu'il n'existe que le paradis et l'enfer, virgule. Mais on se trompe, point. Mais on se trompe, point. Il n'y a que le paradis et, trois points de suspension, il n'y a que le paradis et, trois points de suspension, la terre, virgule, pas de purgatoire, point, pas de purgatoire, point. À la ligne. Ma vie ne fut pas exempte de tout reproche et vice, virgule. De tout reproche et vice, virgule. Mais à l'époque, l'au-delà était en pénurie, virgule. L'au-delà était en pénurie, virgule. «
presque tous ceux qui venaient, presque tous ceux qui venaient, furent renvoyés sur la terre. Furent renvoyés sur la terre. Pour rédemption. Virgule. Pour rédemption. Virgule. Donc, virgule, donc, virgule, il n'y eut personne, il n'y eut personne pour être ange gardien. Point. Pour être ange gardien. Point. Par conséquent, virgule. Par conséquent, virgule. Il fallut urgemment quelqu'un, il fallut urgemment quelqu'un pour coacher les ânes, pour coacher les ânes. Pour qu'elle passe au niveau supérieur. Point. Pour qu'elle passe au niveau supérieur. Point. À la ligne. Bien que pendant ma dernière punition, virgule, bien que pendant ma dernière punition, virgule, pardon, virgule, pardon, virgule. Ma dernière vie, virgule, ma dernière vie, virgule, j'ai trahi, virgule, j'ai trahi, virgule. J'ai menti. Virgule. J'ai menti. Virgule. Je ne tuais personne et je fus heureux. Point. Je ne tuais personne et je fus heureux. Point. La décision du comité fut rapide. Point. La décision du comité fut rapide. Point.
à la ligne. Je fus embauché. Point. Je fus embauché. Point. Le baptême, virgule, le baptême, virgule, malheureusement peu solennel, virgule, malheureusement peu solennel, virgule, se déroula impétueusement. Point. Se déroula impétueusement. Point. À la ligne. Les deux ultimes questions. Les deux ultimes questions. Pour entrer au paradis sont. Pour entrer au paradis sont. Ouvrez les guillemets. Qu'avez-vous fait de vos talents? Point d'interrogation. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Qu'avez-vous fait de vos talents? Point d'interrogation. Fermez les guillemets. Et ouvrez les guillemets. Avez-vous eu une vie heureuse? Point d'interrogation. Fermez les guillemets. Avez-vous eu une vie heureuse? Point d'interrogation. Fermez les guillemets. À la ligne. À la ligne. Moi, virgule. Moi, virgule. J'eus une vie éblouissante, virgule. J'eus une vie éblouissante, virgule. Je fus le meilleur orfèvre joaillier. Je fus le meilleur orfèvre joaillier. De mon temps, virgule. De mon temps, virgule. Mes œuvres furent splendides. Mes œuvres furent splendides. Et puisque je cherchais la perfection, et puisque je cherchais la perfection,
sans la moindre concession à la médiocrité, virgule, sans la moindre concession à la médiocrité, virgule, même des dirigeants de pays en voulure, point, en voulure, point. Ainsi, virgule, ainsi, virgule, je voyageais dans tous les coins et recoins, point à la ligne. Je voyageais dans tous les coins et recoins, point à la ligne. Je ne voulus pas être comme les autres autour de moi. Comme les autres autour de moi. Qui naquirent, virgule. Qui naquirent, virgule. Pleurèrent. Virgule. Pleurèrent. Virgule. Mangèrent. Virgule. Mangèrent. Virgule. Bougèrent. Virgule. Bougèrent. Virgule. Dormir, virgule. Dormir, virgule. Parler, virgule. Parler, virgule. Vinrent, virgule. Vinrent, virgule. Partir et mourir, point. Partir et mourir, point. Chacun se crut unique, virgule. Chacun se crut unique, virgule. Insigne, virgule. Insigne, virgule. Mais au fond, virgule, mais au fond, virgule.
tous essayèrent seulement de réduire l'inconfort. Point à la ligne. Tous essayèrent seulement de réduire l'inconfort. Point à la ligne. Moi, virgule, je me cherchais, virgule, je me cherchais, virgule. Je construisis mon bonheur, virgule. Je construisis mon bonheur, virgule. J'y réussis, point. J'y réussis, point. À la ligne. Guillaume, virgule. D'ores et déjà, virgule. Votre ange gardien, virgule. Et je serai à vos côtés. Pour vous aider à vivre heureux. Et profitez de vos talents. Point. Et profitez de vos talents. Point final. Point. Merci beaucoup, Philippe. Tu as eu des fans ici. Tu veux entendre des commentaires. T'es Dieu des dictées. Et j'écris. Merci. T'es un ange. Et puis, on dit que tu as une articulation parfaite et qu'on peut te en fait regarder sans même sans le son. Merci beaucoup. On peut lire voilà. Oui, сейчас мы делаем 2 минутки паузы для того, чтобы вы написали всё, что пока непонятно, может быть, вам придёт идея. Очень много здесь может быть понятно с точки зрения грамматики. Вот. И через 2 минуты, вот я засекаю, Филипп прочитает третий раз. Dans 2 minutes, Philippe va lire encore une troisième fois. D'accord? Allez-y, écrivez, vous avez une petite minute.
Две минутки прошло. Сейчас третий раз Филипп будет вам читать. Приготовьтесь. Филипп, allez, on commence. Ok. Je me présente. Guillaume. Je suis ange gardien. J'ai eu 595 âmes sous ma surveillance. Je fis une belle carrière. Après la mort, je fis une grande queue pour me présenter devant le comité. Cela fut il y a un peu plus que 20 siècles. On a l'habitude de penser qu'il n'existe que le paradis et l'enfer. Mais on se trompe. Il n'y a que le paradis et la terre. Pas de purgatoire. Ma vie ne fut pas exempte de tout reproche et vice, mais à l'époque, l'au-delà était en pénurie. Presque tous ceux qui venaient furent envoyés sur la terre pour rédemption. Donc, il n'y eut personne pour être ange gardien. Par conséquent, il a fallu urgemment quelqu'un pour coacher les âmes pour qu'elles passent au niveau supérieur. Bien que pendant ma dernière punition, pardon, ma dernière vie, j'ai trahi, j'ai menti. Je ne tuais personne et je fus heureux. La décision du comité fut rapide. Je fus embauché. Le baptême, malheureusement peu solennel, se déroula impétueusement. Les deux ultimes questions pour entrer au paradis sont « Qu'avez-vous fait de vos talents ?» et « Avez-vous vu eu... » Pardon, je reprends. « Et avez-vous eu une vie heureuse ?» Moi, j'eus une vie éblouissante. Je fus le meilleur orfèvre joaillier de mon temps. Mes œuvres furent splendides, et puisque je cherchais la perfection, sans la moindre concession à la médiocrité, même des dirigeants de pays en voulurent. Ainsi, je voyageais dans tous les coins et recoins. Je ne voulus pas être comme les autres autour de moi, qui naquirent, pleurèrent, mangèrent, bougèrent, dormirent, parlèrent, vinrent, partirent et moururent. Chacun se crut unique, insigne, mais au fond, tous essayèrent seulement de réduire l'inconfort. Moi, je me cherchais, je construisis mon bonheur, j'y réussis. Guillaume, d'ores et déjà votre ange gardien, et je serai à vos côtés pour vous aider à vivre heureux et profiter de vos talents. Bon, on a fini, мы закончили. Сейчас у вас будет 5 минут для того, чтобы закончить. Et мы сейчас прощаемся с Филиппом. Филипп, est-ce que tu veux dire quelque chose à nos élèves, aux participants? J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir pendant cette dictée. Elle n'est pas du tout facile, même pour un Français, je la trouve avec de nombreux pièges. Et donc, je vous souhaite beaucoup de réussite et j'espère que vous avez pris beaucoup de bonheur en faisant aussi cette dictée. Donc, merci à tous. À bientôt. À bientôt. Et voilà. Je me présente, Guillaume. Je suis ange gardien. J'eus 595 âmes sous ma surveillance. Je fis une belle carrière. Après la mort, je fis une grande queue pour me présenter devant le comité. Cela fut il y a un peu plus que 20 siècles. On a l'habitude de penser qu'il n'existe que le paradis et l'enfer. Mais on se trompe.
Il n'y a que le paradis et la terre. Pas de purgatoire. Ma vie ne fut pas exempte de tout reproche et vice. Mais à l'époque, l'au-delà était en pénurie. Presque tous ceux qui venaient furent renvoyés sur la terre pour rédemption. Donc, il n'y eut personne pour être ange gardien. Par conséquent, il fallut urgemment quelqu'un pour coacher les âmes, pour qu'elles passent au niveau supérieur. Bien que pendant ma dernière vie, j'ai trahi, j'ai menti, je ne tuai personne et je fus heureux. La décision du comité fut rapide. Je fus embauché. Le baptême, malheureusement peu solennel, se déroula impétueusement. Les deux ultimes questions pour entrer au paradis sont « Qu'avez-vous fait de vos talents ?» et « Avez-vous eu une vie heureuse ?» Moi, j'eus une vie éblouissante. Je fus le meilleur orfèvre joaillier de mon temps. Mes œuvres furent splendides, et puisque je cherchais la perfection sans la moindre concession à la médiocrité, même des dirigeants de pays en voulurent. Ainsi, je voyageais dans tous les coins et recoins. Je ne voulus pas être comme les autres autour de moi, qui naquirent, pleurèrent, mangèrent, bougèrent, dormirent, parlèrent, vinrent, repartirent et moururent. Chacun se crut unique, insigne, mais au fond, tous essayèrent seulement de réduire l'inconfort. Moi, je me cherchais, je construisis mon bonheur. J'y réussis. Guillaume, d'ores et déjà votre ange gardien, et je serai à vos côtés pour vous aider à vivre heureux et profiter de vos talents.